Polka. Chaque photo a son histoire. Comme tous les vendredis, on retrouve Dimitri Beck du magazine et de la galerie Polka. Dimitri, qui est en direct de Bayeux, où se déroule en ce moment la 28e édition du prix Bayeux Calvados Normandie des correspondants de guerre. Dimitri, aujourd'hui, vous avez choisi comme photo de la semaine cet autoportrait du journaliste Olivier Dubois qui fait la une de Libération aujourd'hui. Et oui, cette photo est prise dans un appartement. On voit de longs rideaux rouges en arrière-plan. La photo est assez simple. Hein. Lui-même, le photographe, est au premier plan, en t-shirt blanc. Il a le cheveu court. Et puis, il tient dans ses deux mains, pour faire son autoportrait, son appareil photo. Cette photo qu'il prend dans le miroir de la pièce où il se trouve. C'était un jour de mai 2015. Il est seul sur la photo. J'irais même peut-être un peu à l'image de son métier de reporter de terrain. Une fois de plus, ces images que l'on peut voir par des portraits réalisés par des photographes. Et bien là, il est. Si je vous en parle aujourd'hui, donc c'est parce que, comme vous le rappeliez, Laure, il fait la une de Libération. Ça fait 6 mois qu'Olivier Dubois donc est tenu otage. 6 mois de silence, d'absence, de manque. 6 mois de trop, comme dit Libération. Et donc, pour rappel, il a été pris en otage le 8 avril. Et le dernier, Olivier Dubois, journaliste au Mali pour Libération, Le Point et Jeune Afrique. Il a été enlevé alors qu'il était en reportage, en vue certainement pour faire un sujet, une interview. Il a été enlevé en plein jour dans les rues de Gao, au nord-est du pays, dans ce pays, le Mali, qui est en guerre depuis de très nombreuses années, d'ailleurs où les troupes françaises sont impliqués avec l'opération Barkhane. Olivier Dubois a 47 ans et là, aujourd'hui d'ailleurs, commence une mobilisation qui s'amplifie de plus en plus importante, que ce soit en France et au Mali. Il y a 13 grandes villes de France qui vont afficher sur les façades de leur hôtel de ville une banderole avec son portrait et son nom indiqué. Donc il y a Paris, Marseille, Nice, Reims, Rennes, Fort-de-France et bien sûr Bayeux, d'où je vous parle aujourd'hui. Prix Bayeux Calvados Normandie des correspondants de guerre, avec sa 28e édition de ce festival normand. Forcément, ne pouvait pas ne pas parler de et lui rendre hommage. D'ailleurs, un hommage qui est rendu à tous les reporters de guerre qui défendent la liberté de la presse informée, donc au nom de notre démocratie. Donc, il y a des expositions, des projections, des rencontres et des débats. Et ce soir, grande soirée sur 10 ans de guerre en Syrie avec une douzaine d'intervenants. Et vous-même, Dimitri, vous allez animer tout à l'heure une masterclass avec le photographe Manoucher Degati, qui est le président du jury cette année de ce prix Bayeux Calvados Normandie des correspondants de guerre. Pour ceux qui ne peuvent pas se rendre en Normandie, c'est un événement qu'on peut suivre sur la page Facebook de Polka Magazine. Polka. Chaque photo a son histoire.